Wesh, aujourd'hui la review de Koh-Lanta. Alors, review très attendue. Déjà, on va parler du début de l'épisode. Vincent, on lui en veut et apparemment, là, au confort, il lui pardonne. Et il a fait un truc que j'ai pas trop apprécié. Il y a vraiment un truc que je trouvais un peu con de sa part, c'est-à-dire d'inviter les jaunes dans son équipe de confort. Tu vois, il était avec les rouges, il faut qu'il y aille jusqu'au bout avec les rouges. Mais bon, finalement, ça n'a pas eu trop d'incidence et heureusement. Bon, voilà. Ceci étant dit, on commence comme ça. Et alors, ça commence. C'est. Il invite Flavio, ça, toute son équipe avec lui. Lucie n'a pas de confort. Et Lucie est déçue. Elle se dit, ouais, personne n'a choisi. Les jeunes m'ont trahi, tout ça. Alors, elle dit, ouais, mais ça va plus le faire, là. Là, tu vois, là, ça va plus le faire et tout. Enfin, c'est ça et tout qui se sont dit et tout. Et elle dit, ouais, là, je vais chercher une arme, là, j'en ai ras-le-bol et tout, parce qu'en fait, en plus, elle trouve un indice et tout, dans les bananes qu'elle a eues. Donc voilà. Elle va chercher l'indice, le détournement de vote. Donc, du coup, je vous rappelle, pour certains, détournement de vote, c'est que tu prives quelqu'un de son bulletin et tu votes à sa place. Voilà. Alors, les rouges reviennent et tout ça. Et finalement, il y a les probabilités. Vincent et Arnaud terminent derrière. Donc, ils ont eu un bulletin contre eux. Je vous rappelle que c'est cette fois, ces équipes sont adversaires. C'est compliqué. Il y a deux candidats immunisés, en l'occurrence Laetitia et Maxine. Et après, il y a Arnaud et Vincent qui votent contre eux. Donc, voilà, Vincent est en danger et Arnaud aussi. D'ailleurs, c'est la cible directe des jaunes. Et Thomas, il dit Arnaud, ouais, c'est Magali la cible. Mais en fait, il est pas bête, Arnaud. Il sait très bien que c'est lui. Et du coup, Lucie et Laetitia. Vincent était une option, je vous rappelle, une cible, et c'était une cible potentielle, parce qu'il avait une voix contre lui. Du coup, Vincent n'était pas content et il a changé son vote. Lucie et Laetitia, c'est la rebelle Ada, et là, évidemment, ils comprennent les rouges que Vincent va les rejoindre et que Laetitia et Lucie aussi. Et du coup, ils savent, ouais. On vote contre Myriam, pas contre Vincent. Et à la base, c'était plutôt Thomas qui était sur la sellette. Donc, suspense, suspense. Finalement, c'est Myriam qui part. Et là, je vais vous parler. Je vous parle littéralement de ce que j'ai pensé. De ce que je pense dans l'avenir qui est vraiment pas intelligent du tout. Mais vraiment pas. Vraiment. Là, non, ça va être les destins liés. Donc, ça veut dire que. Bah, ça veut dire qu'en gros. Il va y avoir, ça va être chaud. Et Thomas, il est condamné sauf s'il se met avec un candidat bien aimé. Lucie est plus trop en danger, sauf si elle se met avec Thomas, qui est la cible. Et pour les binômes, faudrait faire gaffe. Alors, ils sont plus que 10, 5 hommes, 5 femmes, donc ça sera des binômes mixtes. Voilà, faut pas rêver. Voilà. Et Vincent, tu vois, on sait pas et tout. Bah, vous voyez, on sait pas où il va. On sait pas de quel côté il va. Et à ce stade-là, évidemment, il y a donc tous les jaunes. Après, bon, il y a Flavio. Flavio, il va être un peu être entre Thomas et Vincent, de ceux qui restent. C'est aussi sont avec Vincent, et tu vois, Flavio, il aime bien Vincent, et ça se voit. Mais il déteste pas Thomas non plus. Donc, Flavio, ça va être vraiment le candidat intermédiaire.